Salut tout le monde, c'est McBee. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième première écoute Art Style. Cette deuxième musique, c'est un abonné qui me l'a suggéré sur Twitter. Nous allons écouter Audiotrix et Demi Canon Fallen Origin. En gros, aujourd'hui, on va écouter Audiotrix et Demi Canon Fallen Horizon. Dire en français quelque chose de sonorité anglaise, c'est le must, hein. Audiotrix est un duo néerlandais de DJ compositeurs. Ce sont des maîtres en charbonnage. Alors eux, attention, leur mélodie, elle charbonne, mais... Demi Canon est un DJ compositeur néerlandais de 18 ans. Et vous avez bien entendu, hein. 18 ans, le type, il a 18 ans quand même. Il fait une musique avec Audiotrix à 18 ans. Je pense qu'il a quand même beaucoup de talent, ou c'est un génie, l'un ou l'autre. Parce que franchement, même moi, quand j'aurai 42 ans, je ne ferai pas de musique avec Audiotrix. C'est carré. Bon, Audiotrix, vous en avez déjà parlé, voilà, dans ma vidéo playlist du moment, où je vous avais présenté, c'était comment le titre? Let There Be Light, voilà. Let There Be Light. Juste avant le drop, voilà, c'est ça. Et c'était un gros kiff, franchement, c'était une musique, je l'adore. J'écoute encore à mort maintenant. Parce qu'en fait, sur la playlist du moment, je parlais de ce que j'écoutais le plus au mois de mars. Là, on est au mois d'avril, je vous jure, je l'écoute toujours autant, hein. Mais je ferai un effort pour la playlist du mois d'avril, j'essaierai de pas la mettre. Si je mets toujours les mêmes musiques, ça va pas être intéressant. Donc voilà, c'est parti, on va écouter ça. Et je remercie d'ailleurs l'abonné sur Twitter qui m'a conseillé cette musique. Le jour où elle est sortie, il m'a dit, McBee, faut que tu fasses une première écoute là-dessus. Et moi, en vrai, je savais même pas qu'elle était sortie, et je regarde son tweet, je fais, oh ouais, elle est sortie il y a quelques heures, allez bim. C'est parti, ça part en vidéo, on se l'écoute. Et je le remercie d'ailleurs, parce que si on fait cette vidéo, c'est grâce à lui. J'en profite justement pour vous dire que si vous avez des titres, et notamment et surtout quand c'est du hardstyle, n'hésitez pas à me les proposer, voilà, sur Twitter ou Snapchat. C'est là où je suis le plus souvent, ou même en commentaire, allez-y, franchement. Et si je peux le faire, je le ferai, bien entendu. Allez, c'est parti, on va écouter. J'espère vraiment, franchement, moi je m'attends à quelque chose d'énorme. Et à l'occasion, je vais être grave déçu. Je vais faire, en fait, t'as plus du cul. Mais je connais pas du tout le Demi Canon, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut, alors. Parce qu'on dit généralement que quand c'est un featuring comme ça, c'est toujours le deuxième nom de l'artiste qui a fait le trois quarts de la musique. Comme c'est Audiotrix et Demi Canon, généralement c'est Demi Canon qui a fait le projet et qui l'a envoyé à Audiotrix, qui a modifié deux trois petits trucs. Et après, voilà quoi, la musique elle est faite. On va bien voir. Alors déjà là, gros kiff. Je stoppe en fait, dès qu'il y a un truc qui qui m'excite ou quoi, je stoppe. Tout. Alors ça, gros kiff. J'adore, de ouf. Et le... Ça part très bien ce morceau. Ça part très bien. Vous le voyez à ma tête, hein. D'un seul coup, je me mets à sourire et tout. Ça sent la pépite. Ça sent la pépite, tiens, voilà. Vous avez vu à quel point une musique peut vous changer, voilà, tu vois, je parle, je fais l'intro, je suis plutôt calme, voilà, je parle, quoi. Et là, j'écoute quoi, allez, je sais pas, quelques secondes et tout de suite, paf, je smile et paf, débit de parole à fond la caisse. J'adore. Putain, après, on me dira encore, bah, Germain, pourquoi t'adores tant la musique? Pourquoi tu fais des vidéos de musique pour si peu de vues? Parce que la musique, c'est la vie, putain, c'est ma vie. Et je veux le partager avec vous, quoi. On poursuit, c'est parti. À l'occasion, je vais avoir une grosse déception. Après, ça va puer du cul, puis voilà. Hop, je refais pas encore une fois la petite voix. Ouh, je suis extrêmement fan. Le petit synthé qu'on entend derrière là, je crois que c'est un petit synthé avec un petit pad. Excellent. Là pour l'instant, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà, je pense que vous avez compris. Mais putain, ça déchire. C'est trop mortel. C'est trop bon, bordel. Putain, j'adore. Je suis trop fan. C'est... Waouh, je m'y attendais pas. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit bien, mais là, franchement, c'est magique, quoi. Le début, ça fait vraiment musique épique, un peu comme je l'ai dit, avec le petit plug. Après, il y a les espèces de... Comment ça s'appelle? C'est un peu les gros kicks et tout ça qu'on entend dans les cinématiques. Rajouté à ça, il y a un petit synthé, un petit peu de percussion tranquille, un pad derrière. Et là, on entend la mélodie, mais what the fuck? On est sur une putain de musique épique. Alors là, je crois que les gars, celle-là, ça va être un gros coup de cœur. Je surkiffe, je survalide, les gars. S'il y a un morceau qu'il faut écouter, c'est celui-là, putain. Allez-y, achetez-le, faites tout ce que vous voulez. Il est putain de trop bon. Putain de trop bon. Il y a surtout un passage dans la mélodie quand ça fait tout 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 tout. Alors là, juste ce passage-là, la petite gimmick, on m'a perdu. Oh putain, non. Vous vous souvenez ce que j'ai dit au début de la vidéo, que c'est généralement le deuxième nom du titre qui fait la musique et qui l'envoie au premier et qui retouche un petit peu. Pour une question de notoriété, souvent le premier est beaucoup plus connu que le deuxième. Et donc, si c'est vraiment Demi Canon qui a fait la majeure partie de ce que l'on vient d'entendre. Putain de merde!
grave. C'est un putain de génie ce gamin. S'il a su faire ça à 18 ans, mais what the fuck. Vous savez quoi? Faut savoir qu'avant cette vidéo, je n'ai absolument pas écouté cette musique. Donc, maintenant que je sais à quoi ressemble le drop, je vais me faire un petit plaisir, je vais le remettre et danser. Ah oui. Franchement, c'est de la grosse folie. Je suis choqué. À vie, je crois. Je suis choqué à vie. Ah là là là. Changement de tonalité. Oh non. Oh non. Eh ben si. Alors là, franchement, c'est... Voilà, ouais, voilà. Franchement, c'est... voilà tout ce que je dis, ça n'a aucun sens. Comme ça, hop, c'est dingue, putain, c'est dingue. Franchement, sans vous mentir, ça faisait longtemps que je m'étais pas enjaillé sur une musique comme ça. Les derniers qui ont su me faire enjailler sur une musique autant que celle-ci, c'était Datukaz. Et là, franchement, on est sur une putain de musique épique. Et Dieu sait que j'adore ça, les musiques épiques. Et en plus, faut savoir un truc, c'est que moi, j'adore, en fait, et c'est vrai que c'est fréquent dans les musiques hardstyle, quand ils changent la tonalité de la musique. Ouais, on a la musique, hop, second break, et là, pouf. La mélodie est plus aiguë. Et c'est vraiment ça que j'adore, parce que la mélodie est géniale. On change la tonalité, et là, elle est encore plus géniale. Donc, ce qui fait que le deuxième drop est encore plus explosif, encore plus charbonnant que le premier. Et ça, c'est bon bordel. Voilà, après, je m'étonne que je suis tout rouge pendant mes tournages, mais waouh. Vous voyez, quand je vous dis que j'adore le hardstyle, voilà, c'est vraiment un style de musique que j'affectionne tout particulièrement, que j'adore le hardstyle, pourquoi? Parce que ça charbonne. Et ben voilà, c'est ce genre de hardstyle que j'aime par-dessus tout. Parce que ouais, généralement, quand il y a un vocal, waouh, tu chantes et tout, c'est génial. Mais là, il n'y a pas de vocal. C'est que de la putain de musique, des putains de mélodies, il faut que j'arrête d'être vulgaire. Et du coup, je tiens à remercier très particulièrement l'abonné qui m'a envoyé cette musique sur Twitter. Mec, si tu regardes cette vidéo, je crois que tu as trouvé exactement ce que j'adorais. Mais vraiment, parce que là, tu viens de piquer à vif. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette musique vous a plu, hein, voilà, parce que moi, j'ai adoré, extrêmement adoré, mais ça ne veut pas dire que vous allez aimer. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dire ce que vous pensez de cette musique en commentaire. Charbonnez la barre de pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette vidéo et j'ai adoré la tournée. Abonne-toi, partage cette vidéo, faut que tout le monde connaisse cette putain de pépite. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à plus dans le bus. Ciao.